忍びじゃ相手できない。第6分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第1分隊が相手をする。は行くぞ。Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Naruto Ninja Storm 3, le dernier épisode de la semaine. Qu'est-ce que je voulais mettre là? On va mettre un petit peu de pommade. On va les mettre comme ça, hein. Faudrait que j'aille en acheter par contre. Ok, donc ça on s'en fout. Donc aujourd'hui on est sur la côte avec Danui. Et on va affronter voilà, Darui, pardon, pas Danui, Darui. On va affronter ces deux personnages là. Vraiment, si ma mémoire est bonne, il y en a un des deux qui a le pouvoir de Kyuubi, hein. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que, ou du moins il a le pouvoir d'un bijou, hein. Alors, on verra lequel c'est, mais il me semble bien qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Kinkaku et Jinkaku. Donc là, on doit partir en beat des malls, non? Ah, c'est ça. Allez. Voilà, ça j'aime, ces passages-là. Là, ils prennent une grosse, grosse défouraillée. Hein. Hop là, merci d'être passé, toi. Ah bah tiens, Capitaine Nari, c'est Kakuzu. Ouais. Là. Ouais, je me suis planté. Aïe 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 aïe. Je peux pas te battre, c'est ce qu'on va voir. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, je te promets que je te mettrai ta branlée. Kakuzu. Allez, lui, on va le finir. Hop. Bon, là, les combats se passent relativement bien. Pour le moment, il n'y a rien de bien compliqué, hein, en même temps. Alors on n'affronte pas des ennemis de niveau très très élevé. Même Kakuzu là n'a pas voulu rester, il s'est barré lamentablement. Il a un peu fait le minable. Oh lui, il était venu pour m'attaquer dans le dos, vilain va. T'as vu l'esquive que je t'ai fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est lui là. Petit con, ouais. Allez hop, moins un, moins deux, et on va faire le troisième. Par contre, Darui, il est juste monstrueux au niveau des attaques. Hein. Je vais garder mon attaque au niveau frénésie pour le combat avec l'autre là, parce que je me dis que je risque d'en avoir besoin à ce moment là. Mais d'accord, faut que j'évite de marcher sur les tas de sable. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il réapparaisse l'autre, voilà. Je n'irai pas plus loin. Ça par contre mon grand, ça c'est ce que tu crois. Battre Kakuzu. Allez. Faut pas que je me plante dans les commandes. C'est tout. Ah lui là. Allez viens là. Hop là. Hop. Ranton. C'est énorme. Les animations sont juste exceptionnelles. J'adore.
Ah bah lui. Allez. On y va, mon roi. Faire ce qu'on peut. Vraiment, j'essaye de pas perdre beaucoup de temps. Donc ça va, pour le moment, ça se passe bien. Voilà, lui, il est tout seul, isolé. Ça me paraissait important de l'affronter. Il reste pas beaucoup là-haut, hein. Il faut que j'arrive vite. Hein. J'espère que ça va passer en termes de temps. Ah putain, de mine à la con. Allez, vite. Tant pis, j'avance, ça, je m'arrête pas. On verra bien. Si je dois le faire, je les ferai par la suite. Mais sinon, si je peux éviter de les combattre, je vais gagner du temps à ne pas combattre là. Je pense que mes coéquipiers ont failli y passer. Jinkaku. Ternir votre éclat. Oh là. Allez, il faut absolument que ça fasse quelque chose. Oula! Ouh, chaud patate là. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh, les deux restent ensemble en plus. Oh, aïe. Ouh là 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 là. Puis moi je suis tout seul là par contre. Hein. Aïe. C'est le moment là. Ouais, regarde. J'ai bien vu le moment où il se transformait. Elle est là. Il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose. Très rapidement là. Oh ouais, tu parles. C'est chaud là. Hein. Déjà, quand j'en aurai éliminé un, ça sera pas mal. Oh là 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 là, le boulot, je prends cher là. Allez. Faut que je remplisse ma jauge de frénésie, ça serait pas mal. Allez, si jamais j'arrive à la remplir, voilà, je l'utilise derrière. Ça peut m'aider éventuellement à avancer beaucoup plus rapidement dans ce combat. On va louper. Stop, hop. Voilà, moins un déjà. Par contre, il en reste toujours un. Ou pas, ça y est. Ouh, mais c'est chaud patate hein, parce qu'il me reste pas beaucoup de vie là-haut. Hein. Mais j'ai réussi à maintenir au-dessus de 40%. C'était quand même relativement compliqué là comme objectif. Pourtant, j'ai pas badiné. Hein. J'ai bien avancé. J'ai fait, je pense, ce qu'il fallait. Mais voilà, ils sont quand même relativement costauds là, les deux. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa d'avoir mêlé. Ça y est, j'ai perdu
le terme de ce genre de jeu de combat beat'em all à un jeu de combat classique. Ça change, ça varie un petit peu les trucs. C'est non, honnêtement, c'est très très agréable, très très sympathique. Ah, sympa ça. C'était quand même un beau combat. Ouais, trop fort. どうした？海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か？銀閣。金閣。現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい。お役に立てたようで何よりです。 Bon, c'est vrai qu'il vraiment il raccourcit quand même grandement les choses là. Bon, c'est pas forcément très grave, ça reste qu'un jeu, hein. Alors on peut pas leur demander non plus d'être fidèle à 100% à la réalité. Donc voilà. Alors voyons voir un peu. Donc là ça sauvegarde. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus parce qu'on arrive à un petit quart d'heure de vidéo. Ça me paraît bien pour finir cette semaine. Non, donc ça. Ah, quoi que. Allez, on va le faire. Je finirai sur ce combat. Avec la petite cinématique, on va quand même faire un épisode un peu plus long. Ah, j'ai hésité, mais. Se battre contre un Sarutobi, c'est quand même pas négligeable. Non, surtout que c'est l'ancien sensei de Shikamaru. Et oui, l'Edo Tensei. La première fois qu'on a vu la technique de Edo Tensei, c'est dans le combat où Gaara a attaqué Konoha. Hein, souvenez-vous, c'était Orochimaru qui avait utilisé le Edo Tensei sur le troisième Hokage. Il avait rappelé le premier et le deuxième Hokage à la vie pour l'aider à essayer de combattre ce... Pour du moins, Orochimaru a appelé les deux premiers Hokage pour l'aider à combattre le troisième. Ah bah ouais, Choji, faut pas que tu fasses le con. Hein. Hazuma Sarutobi, fils du troisième Hokage. Je suis pas un mort, Choji, je te l'ai déjà dit. Allez, donc là à mon avis ça va être un combat normal, voilà, un combat classique. Ouvrir l'inventaire, par contre je crois que je n'ai plus. Il me reste une pommade, on va la mettre. Parce que là je n'ai plus rien du tout mis à part ça. Hein. Lancer le combat, très bien. Donc là, normalement, c'est un combat, dira-t-on, qui ne devrait pas trop poser de problème, mis à part Shoji, qui lui va bien, je pense, me casser les bonbons, pour rester poli. Hazuma. Hazuma qui est
on va dire le précurseur de la nouvelle technique de Naruto, le Futon Rasen Shuriken. Ah putain, Shoji qui a essayé de faire un truc là. Là, allez. Encore. Bien. Et voilà, Zuma il est fort hein, avec cette technique là. Là il est en mode éveil. Oh putain, j'ai plus de... Oh là, je vais prendre cher. Eh ouais. Il est à nouveau en mode éveil, là. Là. Bien joué. Parfait. Bah bien sûr que si. Mais il faut que Shoji se réveille, c'est tout. Pommade polyvalente. Ah, j'en ai gagné 3. Parfait. En plus, 2 rangs S. Nickel. Ok. Le nombre d'outils de ninja assignés est augmenté. Alors, tant mieux. Hop. Bon. Eh bien, écoutez, on va se laisser là. Je vous laisserai profiter de la cinématique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça conclut cette semaine de Naruto. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc très rapidement avec un nouvel épisode de Naruto Ninja Storm 3 sur ma chaîne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bye bye. まだ浅いか。すぐに復活しやがる。ジョージ。僕は。お前が真に守るべきものを誰だ。守るべきものの意味を履き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生。 自身を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。 お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い守備になる。自分にもっと自信を持て。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。 大人になってけば、自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我ここに誓う。 秋道十六代目当主として、十五代目より託されし誓いを、十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は、山中なら領一族を守り、木ノ葉を守るため、いざ、さなぎから朝へと。長次。そうだ、長次。その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。
さて、こっからは飛べるの？もちろん。やるぞ、いいな。